voit le prédicateur se mettre là-bas. Non, il est sorti, il n'est pas sorti. On perd le temps. On gaspille le temps. Au lieu d'aller droit à la vérité, discussion. Attendez que j'aille un jour dans ces réunions-là. Je vais dire à ces gens-là, arrêtez, arrêtez. Si vous n'avez pas été appelé pour prêcher, asseyez-vous et qu'on vous enseigne premièrement. Oh non, vous savez, s'il quitte le trône de l'intercession, les gens seront perdus. Qui te dit ça? Oh ma. Même si c'était pour 30 secondes, il s'est déplacé, les gens sont perdus. Ça, c'est l'imagination humaine. Alléluia! Mais vous savez, quand il se lève de la Bible, Branham le dit ici, il dit parce qu'il a intercédé jusqu'à la dernière brebis. Avant de s'élever, il a fini son travail d'intercesseur. C'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus l'intercession. Maintenant, vous allez dire, ah, mais alors comment les gens seront sauvés? That is not my problem. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Moi, je ne vais pas mettre les problèmes que je mets sur ma tête. Je ne saurai pas résoudre. Amen. Et si quelqu'un se perd, c'est qu'il n'a pas intercédé pour lui. Il est en dehors. Parce que Jésus n'est pas venu mourir pour tous. Même si vous lisez dans la Bible, il est mort pour l'humanité. L'humanité, c'est quoi? L'humanité, c'est nous qui sommes de sa famille. Alléluia. Il n'est pas mort pour mourir pour Chirac, mourir pour les papes, mourir pour ceci. Non, s'il est de notre famille, ok, il faut aussi partir de l'expiation. Mais s'il n'est pas de notre famille, vous pensez que Jésus était mort pour Judas? Il n'est pas mort pour Judas. Amen. Alléluia. Ça, c'est notre Pentecôte. Le Saint-Esprit s'est déversé abondamment dans nos cœurs, nous poussant à croire William Branham. Amen. Vous savez, les gens de Béret, ils nous dépassent. Quelqu'un vient, il prêche, il regarde, il dit, toi, tu ne prêches pas comme Paul. Paul n'a pas prêché des choses comme ça. Ils vont voir en face, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit éminent ou de renommée internationale. Il vient et dit, frère, arrête de nous raconter des mensonges. Parce que Branham n'a pas dit ça. Regarde ici. Vous allez voir, n'est-ce pas, pour l'âge de fesses, il a dit quelque chose que je, avec toi, d'accord, c'est que tu découvres les faux prédicateurs. Maintenant, aujourd'hui, les gens vendent même leurs doigts d'aînesse à cause de ça, s'aligner avec des prédicateurs qui prêchent des faussetés. Écoutez, mes frères et sœurs, moi j'ai la liberté du Saint-Esprit. Je crois dans la liberté du Saint-Esprit. Et ce que je crois être vrai, c'est ce que moi je dis. Et c'est sur cela que moi je me passe. Grand, petit, roi ou quoi, en face de moi, la vérité doit être dite. Amen. Maintenant, on voit des gens. Ils voient bien. Branham dit, le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est un prophète. Il est fils que faux. Oh, frère. Non, frère, moi je le crois. Parce qu'il y a un autre conducteur qui l'a eu là-bas. C'est un dénominationnel. Même s'il ne le déclare pas, c'est un dénominationnel. On te montre ce que l'absolu a dit. L'absolu, c'est Branham. Il a dit in physical form. Oh non. Frère, ça sont des fausses doctrines, frère. Passe la brique. Incrédule. Amen. Oh ma. On va pas finir notre prédication aujourd'hui. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? C'est comme cela que vous allez voir si vous avez un comportement comme ça. Avant que quelqu'un vienne discuter avec vous. Ah, frère Onazaka, terrible, frère. Comment on va parler avec lui, frère? Ah, frère Juan, il faut... Non, mais si on lui donne ça, frère, ah, lui, il connaît ça. Il connaît aussi ça. Ah, frère, toti kakaka, frère, toti kakaka. Alléluia. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de démontrer. J'ai dit à quelqu'un là, j'ai dit, frère, ceux qui prêchent que Jésus n'est pas venu, ils sont là seulement pour dire, non, fausse doctrine, fausse... Prêchez-nous, démontrez de A à Z, et convainquez-nous qu'il n'est pas venu.
mais ne soyez pas derrière. Non, ce sont des fausses doctrines, frère. Prêche, enseigne. Vous voyez, ceux qui croient que Jésus est venu, ils démontrent. On part de là, on va pas à pas. Vous allez voir quelqu'un dire, non, Branham a dit ici, frère, frère, nous attendons la venue du Seigneur. Moi, j'ai dit oui. Parce que je sais ce que cela veut dire. Ah non, non, noir sur blanc, noir sur blanc. D'accord, et alors? Bon, maintenant, toi aussi, tu vas croire ça. Parce que moi, je crois ça. Toi, maintenant, j'ai lu l'écriture. Avec une douzaine d'écritures et plus. Hein? Prouvant que... Omar, j'ai ça ici, je pense. C'est quand ils disent que non, Jésus, où est-ce qu'ils mettent ça? On ne peut pas retrancher. Paragraphe 200, et aujourd'hui cette écriture est accomplie. Paragraphe 256. J'ai lu l'écriture avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour. La génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et je vous dis, ce soir, de nouveau, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Aveugle accusateur, est-ce que tu as vu? Non, 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 tu es aveugle. Sous nos yeux, alléluia, il entra dans le temple. N'est-ce pas? Bizarrement, quand il avance, et les huissiers le laissent passer. Il arrive jusqu'à la chair. Le prédicateur, au lieu de dire, qu'est-ce que tu viens faire ici? Non, il prend, tiens, 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 il lui donne le livre. Il l'ouvre, non pas pour lire l'écriture du temps de Moïse, non pas pour lire l'écriture du temps de... mais pour lire l'écriture concernant son propre temps. Et il dit, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Vous qui êtes à Caen, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes à Paris, alléluia, à New York, ceux qui sont reliés par téléphone, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est elle-même préparée. Oh, nos frères, vous exagérez. Bon, maintenant, alors là, vous voyez les gens. Ah, si nous disons que le retour de Jésus sur la terre, les gens vont dire, ah, vous croyez à la venue physique. Donc, bon, alors pour, si on dit que non, ce n'est pas juste, les gens vont nous dire, pourquoi vous ne croyez pas ça? Alors, bon, okay, on va rester au milieu. Bon. Tantôt vous attendez, il est venu sans venir. Ah, je vais faire tout ça pour ne pas croire. Après quand on est là, expliquez-nous, venir sans venir, il manque quoi dire. Bon, ok, bon, on va s'arrêter. Venu spirituel, tout ça c'est bien. Donnez-nous une écriture qui dit que lors de sa seconde venue, il viendra spirituellement. Ça n'existe pas. Ah, bon frère, c'est l'apparition, d'accord. Oh, oh, laissons cette gymnastique-là. Croyons la parole. Ce n'est pas la mienne. Mon travail, c'est répéter ce que les bandes disent. Expliquer comment ceci, ce n'est pas mon travail. Il appartient à Dieu de s'expliquer lui-même. Et ce n'est même pas Branham qui va expliquer, c'est Dieu lui-même qui va s'expliquer. Moi, je viens, je dis, ah, la bouche de Dieu a dit, oh my, excusez-moi.